Urbex, c'est une clinique abandonnée. Alors j'ai été jusqu'à là-haut pour voir si la porte était ouverte, mais tout a été comment dire, fermé. J'ai ouvert cette porte tout à l'heure. Je l'ai laissée ouverte et elle est fermée maintenant. Il y a quelqu'un? Je l'ai laissée comme ça. Je suis parti quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et elle peut pas se fermer toute seule. Il y a quelqu'un? Ah si, elle se ferme. Non, elle se ferme pas. Il y a un passage. Mais c'est chaud. Faut que je grimpe. Ça me saoule de grimper. Bon, alors ils mettent toujours les messages à l'entrée, comme quoi c'est sous vidéosurveillance. Mais je vois pas une seule caméra. Après, à l'intérieur, je sais pas. J'ai fait tout le tour, il n'y a qu'un seul endroit où je peux monter. Mais il y a des personnes qui sont à l'extérieur et elles m'ont déjà vu passer. Ça va être un peu short. Puis il n'y a pas un chat. Il y en a beaucoup qui respectent le couvre-feu. Il est 20h30. Mon camion. Après, il n'y a qu'un endroit où je peux passer. C'est par cette fenêtre là, ici. Elle est ouverte.
Elle est ouverte, mais alors comment y aller? Je vais tenter un truc. Je vous reprends. Un peu Walking Dead. Il y a eu le feu. On est carrément à l'extérieur là. Je suis déjà venu là, merde. Tout cet étage est cramé. Je vais essayer d'aller en haut. Là, je suis au rez-de-chaussée. L'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Alors, ils disent que le site est sous vidéosurveillance. J'espère ne pas me faire choper par les flics. Bon, quelque part, je fais rien de mal. Hein. Mais c'est quand même interdit. J'ai entendu du bruit derrière moi. Accès. Donc, à mon avis, c'était la radio ici. Bon, j'ai cru que ça m'amenait à quelque part, et au bout du compte, ça m'amène à un mur. Donc à mon avis, c'était la sortie aussi. C'était une sortie. C'est pas marqué sur la porte. On va monter à l'étage. J'espère que ma lampe va me durer longtemps, sinon j'en ai d'autres. Thank you.
de secours de tout à l'heure. Encore une baignoire intacte. Bien sûr, tout a été volé. Pour l'instant, je vois pas de flic par la fenêtre. On va voir par ici. Il n'y a personne. Après, je ferai des photos. Oh, il y a beaucoup de moisissures. Moi, j'ai gardé mon masque. Il est doublé en tissu là. C'est les portes de sortie. Suce ma bite, petite chienne. Mais bien sûr. Une bite de l'extérieur, un poteau. Une bûche carrément. C'est un caillou. Plein de placards là-dedans, ça sert à rien, y a rien. La même chose que... Merde. La même chose qu'en bas. Ici, il y a du passage. Si
Le dernier étage. Après, il y a les machineries. Il y a du stock là-haut. Sus gratuit. Pour aller sur le toit. Ah ouais. Donc, j'ai pas envie d'aller sur le toit. Putain. Moteur. Oh. Putain, il m'a fait flipper le con. Putain, la vache. Tout a été arraché. Je vais voir si... C'est mon camion. Il n'y a pas de gendarme pour l'instant. Bon, ils savent se faire discret aussi. Hein. C'est la porte de l'extérieur. Défoncé. Je vois pas le coup. Ta mère. Je vois pas de gendarme. Je sais pas si je peux pas ouvrir cette putain de porte. Je vais devoir tout refaire, tout redescendre pour sortir. Toujours pas de gendarme. Bon. Bah c'est fini. C'était court. Mais je vais faire des photos et tout ça sera publié sur YouTube. Donc sur Urbex Infinity sur mon Facebook à moi. Donc voilà, je vais passer à la phase de... Je vais faire des photos. Et puis, voilà. Bisous à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.